On ignore encore les circonstances exactes de cette collision entre un poids lourd et un véhicule léger ce matin sur l'A36 à hauteur de Marchaux en direction de Besançon. Le camion a tiré sur la droite. Pour l'instant, on n'a encore pas pu accéder à la cabine puisque c'est impossible. Il a tapé dans une buse d'évacuation. Le tracteur a tapé dans une buse d'évacuation de l'eau, des eaux. Et puis ça a eu pour effet de lui faire faire un tonneau. Et dans le même moment, il y a un véhicule léger qui est arrivé et qui a tapé la semi-remorque. Et le chargement est tombé sur le véhicule léger. Donc on déplore donc un décédé, une personne décédée dans le transport routier et puis une personne blessée dans la voiture légère. La conductrice blessée bloquée dans son véhicule était consciente à l'arrivée des secours. La circulation a été interrompue pour plusieurs heures encore, avec sortie prévue par Baume-les-Dames et mise en place d'un basculement de chaussée avec approvisionnement en eau pour les automobilistes retenus dans un bouchon de 4 km.